J'aimerais revenir brièvement sur ton rôle dans Camping Paradis. Oui. Alors, ton départ, il a fait couler énormément d'encre. Ça, c'était en 2012. Donc, j'ai pas envie qu'on revienne forcément sur les raisons qui t'ont motivé D'accord. à partir, parce que tu les as déjà exprimées. Tout à fait. On les connaît. Voilà, tu trouvais que ton personnage tournait un petit peu en rond, ton rôle. Mais pourquoi, d'après toi, est-ce que ça a fait autant de bruit? Alors, écoute, je vais te dire quelque chose. Déjà, je suis revenue un peu aussi sur ce départ parce que, effectivement, moi, à l'époque, j'avais raconté que, tu vois, parce que ça faisait mieux de dire que c'était moi qui étais partie, mais c'est quand même eux qui m'ont viré, hein, tu vois. Oui, c'était ce que tu avais dit à l'époque, vois, exactement. Voilà, exactement. Pour dire que, d'abord, effectivement, il y avait eu un truc qui était, c'est que moi, j'ai un peu une grande gueule à mes dépens. C'est-à-dire que, voulant avoir plus de textes et plus de choses à jouer, comme tu dis, je leur avais dit, bon, écoutez, là, il faut que vous me donniez à manger, sinon ça n'a plus m'intéresser. T'as besoin de matière. Voilà, de matière. Parce que quand tu viens, que tu fais quand même 800 km pour aller tourner dans le sud, tu as envie de le faire pour un truc, tu vois. Puis c'est ta série, tu l'aimes, tu la défends. Oui, puis tu t'attaches aussi au personnage. Tu t'attaches au personnage, et voilà, et tu as envie que ton personnage se développe. Et j'avais remarqué depuis une saison comme ça que c'était un peu moins. Et ils m'avaient promis de le développer. Puis bon, voilà, je reçois les scénarios, le premier épisode, voilà, un deuxième, tu vois, on en fait 6 épisodes dans la saison. Et c'est au troisième que j'ai commencé à dire, non, mais là, les gars. J'ai toujours rien. Et donc, je les appelle pour leur parler. Ils ne me répondent pas, les gars. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu sais, quand t'es énervé, t'écris sur ton Twitter. Ou le truc à pas faire. Et en plus, jamais faire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, même si t'as pas beaucoup d'abonnés sur ton Twitter, du moment que t'es quelqu'un de connu, tu sais, les médias te repèrent. Ah, mais c'est repris. Télé Loisirs. Et il m'a repris. Et c'est titré. En grand, et ils ont titré. J'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis. Putain, rien à jouer. Encore rien à jouer. Fais chier d'y aller. Tu ne craches pas dans la soupe que tu manges. Non, t'as regretté. Bah, j'ai regretté d'avoir ouvert ma gueule, mais bien sûr, j'ai regretté. J'ai dit, mais parce que t'as réagi sur le coup de l'émotion. Exactement, comme je fais très souvent. Connasse, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. J'adore. Non, mais c'est pas bien. Et du coup, bah, eux, bon, ils m'ont gardé jusqu'à la fin de la saison, mais à la fin de la saison, ils m'ont dit, t'es mignonne, mais tu dégages. Mais ils avaient raison, parce que c'était aussi pour dire aux autres, déjà, vous êtes bien contents de travailler, donc travaillez en fermant vos gueules. Ce que je comprends, parce que. Et puis en plus, ça renouvelait le casting. Ce qui n'était pas, moi je trouve, je veux dire, c'est leur prérogative, ils ont le droit et qu'ils avaient tout à fait raison parce que ça inculquait des, tu vois, Aurélie Conaté est arrivée, oui. Enfin tu vois, maintenant tu sais, les séries c'est comme ça. Oui. Et je pense pas que c'était dirigé contre moi parce que je pense que... Non, bien sûr, mais pourtant c'est le même producteur, le mystère de l'amour. Oui, mais tu sais, Camping Paradis. Le truc c'est que Jean-Luc, c'est pas, il produit, mais il décide absolument pas du casting. Hein. C'est pas lui qui... Parce que je pense que c'était lui, il m'aurait gardé, parce qu'il connaît mon caractère et tout ça. Mais je pense qu'il y a eu aussi TF1 qui était pas très content, parce que tu vois, quand oui, tu les diffuseurs. Affiches et tout ça, tu les affiches, c'est pas bien. Puis il y a les producteurs exécs qui sont un peu plus présents que les Jean-Luc, qui trouvaient aussi que je crachais sur eux, quoi, en leur disant, voilà les gars, tu vois. Mais j'ai dit, mais je vous ai appelé, vous m'avez pas répondu. Bon. J'ai dit, mais laisse-nous, tu vois, putain, t'as fait ça. Tu nous appelles à 9h, à 10h, tu tweets. Oui, t'as laissé qu'une amour. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ça y est, tu es de retour dans les mystères de l'amour en tant que gay. Jean-Luc, il ne m'en a pas voulu. Et Jean-Luc, nous avons toujours gardé contact. Les autres producteurs, c'est autre chose. Moi, Jean-Luc et moi, nous avons un rapport très particulier. Tu vois, déjà, on a un rapport direct. Ce qui n'est pas le cas avec les autres.